Report de l'élection présidentielle. Les pour argumentent. 11 arguments ont été avancés par 9 des 36 candidats à la course présidentielle, ainsi que 10 autres candidats refusés par la HCC et les membres de la HFI pour soutenir que l'élection prévue se tenir le 7 novembre prochain ne devrait pas avoir lieu. Ils ont effectué aujourd'hui une déclaration commune au domicile de l'ex-président Didier Ratsir à Kafaravouidj. Parmi les arguments avancés figurent notamment l'anticonstitutionnalité de la tenue de ces élections et des anomalies dans la liste électorale. Ce groupement hostile aux élections estime qu'un changement de la Constitution est un préalable à ces scrutins. Une consultation populaire doit se faire en amont, suivie d'un nouvel accord politique. Une réunion à ce sujet va encore être organisée afin de déterminer la meilleure façon de procéder. Quoi qu'il en soit, les candidats Bezaza Yelian, Amafal Olivier Soulenrasan, Jean-Marc Surakout Mamoun, Simar Ramarson Arlette, Rajema Piouna, Martin Joseph, Tabera Rajema Nansou, Soulvoangi Emma, Imbe Serge Jovial, Retiraka Didier, n'ont jusque-là pas encore exprimé leur souhait de retirer leur candidature.